Cette série de photographies, elle évoque en fait le 25 avril 1974, où a lieu la révolution des œillets au Portugal, qui marque la fin du régime dictatorial de Salazar et la fin des guerres coloniales. À cette époque, en fait, les soldats et la classe ouvrière vont défiler dans les rues avec des œillets rouges, dans leurs boutonnières et dans leurs fusils. Ici, les armes déposées au sol sont évocatrices d'une violence désormais posée à terre. Chaque fusil a été fabriqué dans des matériaux qui évoquent une réparation, comme tenter de réparer un pan de l'histoire. Les matériaux utilisés pour réparer le corps réparent ici l'objet, comme si je cherchais, d'une certaine manière, à soigner des plaies de notre histoire à tous.